Il est ouvert, il s'assoit, il parle. Maman, il est arrivé telle affaire. On discute à tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école, les activités, etc. Je posais des questions, mais j'avais pas vraiment de réponse. Jusqu'à ce qu'on m'appelle tout à coup pour me dire fin octobre. Bon, t'as eu un beau visage. Ce petit garçon que l'on peut identifier a 6 ans seulement. Il est en première année. Depuis le début de l'automne, il raconte à sa mère être devenu le souffre-douleur de 3 garçons du même âge qui fréquentent la même école. Est parti de bouche trop à rejet, à tous les jours à pleurs. C'est fou, ça n'a pas de sens, comment tout le monde les cœurs. Tout en noir, mais pour ses parents, tout est rose. Elle se fait vomir après chaque repas, car elle se trouve grosse. Des paroles, des gestes, direct ou indirect. Pas juste à l'école, c'est même sur l'internet. Yo, Photoshop sa face sur une page de web haineuse. Première de classe, mais tout le monde la traite de niaiseuse. Les rumeurs, mais sur elle en particulier, elle a plus envie de participer aux activités en mode dépressif. Genre, ce qui arrive, arrive. De l'harcèlement à l'école, puis de l'harcèlement en ligne. Plein de témoins, mais personne là pour réagir. À part ses professeurs, mais elle sait pas comment leur dire. Ça fait mal, il la regarde, il la chale dès qu'ils ont l'occasion. Et victime de violence. Victime de violence, d'intimidation. Si tu te laisses marcher, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses, ça va jamais arrêter? Non. Dès qu'ils ont la chance, ils vont venir t'agresser. Si t'as rien dans le ventre, ils vont te manger pour déjeuner. Victime d'intimidation. Laisse-toi pas marcher, c'est bien. Faut que tu te battes, faut que tu te fasses respecter. Yeah. Surtout faut que t'en parles, y'a du monde là pour t'aider. Comme les autres garçons, juste un petit secret, son orientation. Au secondaire, ça commençait avec les comparaisons. Les surnoms, les bousculades, imagine, vraiment pas chill. Il se fait traiter de fif depuis qu'il est kid. Conséquences dévastatrices pour son estime. On dirait qu'il est muet, pas capable de parler. Toujours discret, il veut pas se faire remarquer. Quand il se fait donner des coups, point, puis il se fait taxer. J'embête dans les escaliers, poussé dans les cases. Il est pas motivé, ça fait un bout. Juste tout lâcher. Un gros smile d'en face, ça paraît pas qu'il est fâché. Trop de pression, il a fait l'irréparable. Il a perdu la raison, pour lui ça a été fatal. Une réalité qui fait mal, le mal de vivre. Une relation abusive. Si tu te laisses marcher, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses, ça va jamais arrêter? Non. Dès qu'ils ont la chance, ils vont venir t'agresser. Si t'as rien dans le ventre, ils vont te manger pour déjeuner. Victime d'intimidation. Laisse-toi pas marcher, c'est bien. C'est dur pour elle, c'est dur pour sa famille. La déprime, à tous les jours elle se dit que ça va finir. Mais sans sans pitié, la voir souffrir ça les fait rire. Ça les fait rire. Les secondaires, les cellulaires, les courriels. Les rumeurs à caractère sexuel. Elle s'est fait taxer son sel, ils ont même craché sur elle. La cervelle full séquelle. Un problème relationnel. Il s'agit d'un abus de pouvoir envers ses pairs. Pour comprendre, imagine-toi seul dans le désert. Plein de monde autour, mais personne là pour elle. Le manque de confiance, le sentiment d'être seul. Heureusement qu'elle garde un journal des événements. Heureusement qu'elle est partie voir les intervenants. Action provoque réaction. Yo, il était temps. Fini les insultes, les injures. Des flots dans tes dents. Enfin. Si tu te laisses marcher, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses, ça va jamais arrêter? Non. Dès qu'ils ont la chance, ils vont venir t'agresser. Si t'as rien dans le ventre, ils vont te manger pour déjeuner. Laisse-toi pas marcher, c'est bien. Faut que tu te battes, faut que tu te fasses respecter. Yeah. Surtout faut qu'on parle, y'a du monde là pour t'aider. Yeah. Laisse-toi pas faire, laisse-toi pas intimider. Passe à l'action. Hey yo, si tu vois quelqu'un qui se fait malmener à tous les jours dans la cour d'école, Namin, il se fait taxer son cash à tous les jours. Il se fait foutre des claques pour rien. Hey yo, reste pas là à rien faire, man. Dites quoi, man, faites quoi? Y'a du monde là pour t'aider. Laisse-toi pas intimider, passe à l'action.